أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجود الكريم يوم الأربعاء تكلمنا عن علم الحديث تكلمنا عن اهتمام العلماء بعلم الحديث اليوم نتكلم على القرآن الكريم و بغيت نسولكم ولا نسول غير الشباب هادشي راه ماشي اختبار غير اول ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لو بروميير فيرسي كي ايتي ريفيلو بروفيت صلى الله عليه وسلم سي كوا اقرا ياك اخر ايه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سي كوا لو ديرني فيرسي لقد جاءكم نعم لقد جاءكم رسول من انفسكم نعم كاين اللي عنده شي يقول الامام السيوطي رحمه الله معروف في علم يعني في تفسير القران في علوم القران يقول ان في اخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف بين العلماء وهو يقول عن شيخه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أما البخاري رحمه الله هو عنده في الصحيح ديالو واحد الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول في ان اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الربا وفعلا كاين هذا القول ان اخر وكاين ايضا يعني القول ان اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم اكملت لكم دينكم يعني اختلاف Je disais, le premier verset qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, c'est ça? On est tous d'accord? Le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plusieurs avis, en fait, sur le dernier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs avis. Awwal man tarjama al-Qur'an. Qui est le premier qui a traduit le Coran? أول من ترجم القرآن تعلمونه من هو نعم عبد الله بن عباس لا ماشي هو أول من ترجم القرآن نعم ابن مسعود لا أول من ترجم القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي لغة بالإنجليزية Qui est le premier à avoir traduit le Coran? Bon, vous avez entendu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quelle langue est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traduit le Coran? Bilughati al-amal. Bilughati al-amal. Lamma su'ilat Aisha radiallahu anha an khuluq rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akhlaq rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qalat na'am khuluquhu al-Qur'an. ترجمة عملية تطبيقية ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم Le premier à avoir traduit le Coran, c'est le prophète صلى الله عليه وسلم. Dans quelle langue est-ce qu'il a traduit? Il ne l'a pas traduit vers l'anglais ou bien il ne l'a pas traduit vers le... Non, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a traduit le Coran par les actions. Le prophète صلى الله عليه وسلم, c'était une transposition des versets coraniques. C'est une manifestation des versets du Coran. Une traduction
concrète des sens du Coran. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important? Parce que lire le Coran, apprendre le Coran, réciter le Coran, c'est très important. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a également appris à vivre le Coran. À vivre le Coran, à être une manifestation du Coran. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si lui c'était le Coran complet qui marchait, qui marchait parmi les gens, eh bien nous, il faut qu'on essaye aussi d'être, si on n'arrive pas à être le Coran complet, au moins la moitié, peut-être inversé, ne serait-ce qu'inversé. Il faut chercher à être l'expression du Coran al-Karim. Ça, c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a traduit le Coran. عندي سؤال آخر ومن بعد صافي نخليكم ترانكيل. أول شرط لفهم القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر شرطا مهما لفهم القرآن الكريم. أول شرط. Quel est Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a donné une condition. Il a donné une condition pour comprendre le Coran. Quelle est la première condition? Naam? Al-dhikr. Naam? Naam? Ulil al-bab. Ah. Le premier, awwal shart fil Coran al-Karim. Les dhikri ayyah. واخا اول سوره الفاتحه ياك ومن بعد البقره ياك عندك قران واحد كاملين ايوا اول ايه في البقره زيد لا ريب فيه هدى للمتقين من اراد ان يفهم القران من اراد اللي بغى يستفد من القران اش خصو؟ خصو التقوى هدى لمن؟ هدى لمن؟ للمتقين اللي بغى يفهم القران اللي بغى يستفد من القران اش خصو؟ خصو التقوى دونك جو ديزي لا بروم ديو دون القران il nous donne la première condition pour pouvoir comprendre le Coran dès le début du Coran. Vous avez la première sourate du Coran, c'est الفاتحه, l'ouverture. Tout de suite après l'ouverture, c'est Sourate la vache. D'accord. Le premier verset, les premiers versets de cette Sourate, Allah il dit quoi? Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab. Ceci est le livre sur lequel il n'y a aucun doute. C'est une guidée pour les pieux. Hudan, Hudan lil-Muttaqin. Une guidée pour les pieux. C'est-à-dire que celui qui veut profiter du Coran, celui qui veut réellement comprendre le Coran, eh bien Dieu il te dit, voilà, il faut la piété. Hein. Pour bien lire le Coran, il faut les lunettes de la piété. Voilà, « Andadar dil taqwa ». Les bras, ils qu'ram ziyan, ou ils fham ziyan, ou ils m'an ziyan, fil Coran al-Karim, ach khassou, khassou taqwa. Bon, il faut la piété, d'accord. Nous, on entend souvent la piété dans les khutbah de Jumu'ah. « Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah » Hein, ou vous qui avez cru, faites preuve de piété, etc. Tout le Coran, d'ailleurs, c'est un appel à la piété. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui parlent de la piété. Qu'est-ce que c'est que la piété? Qu'est-ce que c'est que la piété? Alors, ça y est, je vous laisse tranquille avec les questions. La piété, il y a plein de définitions de la piété. Il y a une définition qui est très connue. Très connue, c'est la définition de l'imam Ali, radiallahu anhu. تعريف يعني الإمام علي أعطانا واحد تعريف مشهور ومعروف واحد تعريف للتقوى شنو هو التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة من القليل والاستعداد ليوم الرحيل هذا التعريف هذا راه معروف تعريف ديال من ديال الإمام علي الإمام علي il a donné une définition de la piété. C'est une définition qui est très connue, qui dit, il dit la piété, c'est la crainte du majestueux, c'est œuvrer en accord avec le Coran, œuvrer en accord avec ce qui a été révélé, c'est-à-dire le Coran, se suffire de peu et se préparer au jour de la rencontre avec Dieu.
Ça, c'est une des définitions de la piété, l'imam Ali. Il y a aussi une définition qui est intéressante, c'est la définition du grand alim, du grand savant, savant du madhab al-Maliki, une référence de l'école malikite, le Cheikh Abdul Wahid ibn Ashir, rahimahullah, qui dit وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في الظاهر وباطن بذاتنا وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في الظاهر وباطن بذاتنا بمعنى التقوى هذا التعريف ديال الامام عبد الواحد بن عشير رحمه الله المعنى ديال هذا التعريف ان التقوى هي موافقه الظاهر بالباطن على امتثال الاوامر واجتناب النواهي الامام عبد الواحد بن عشير رحمه الله يلدي Il dit que quand il va donner une définition de la piété, il dit que la piété, c'est le fait de s'éloigner intérieurement comme extérieurement des péchés et d'accomplir intérieurement comme extérieurement les obligations. Voilà, ça c'est une définition du savant Abd al-Wahid ibn Ashir. Ou quand on dit Zouin, ساهل التي عجبني قال لك المتقي هو الذي يزين باطنه للحق كما يزين ظاهره للخلق التقوى كلها جمال جمال باطني وجمال ظاهري الجمال في الأقوال في الأفعال في Il y a une autre définition qui est courte et que moi j'aime beaucoup, qui dit que la piété, c'est s'embellir. C'est s'embellir intérieurement pour Dieu et s'embellir extérieurement pour les créatures de Dieu. Être pieux, c'est être beau. Alors quand on dit, c'est pas la beauté des habits, hein, c'est le bel agir, hein, la bonne parole, le bon comportement, la beauté de... Voilà ce que c'est que la piété. Ça, ce sont des mots. Ça, c'est une définition de la piété par des mots. On a défini un mot par d'autres mots. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une traduction qui est bien plus importante, c'est la traduction du Coran par les actes. Eh bien, le Coran, quand il nous parle de la piété, il ne nous donne pas une définition par des mots. Le Coran, le Karim, parce que Allah, il nous dit qu'il faut être pieux pour comprendre le Coran. Donc, il va nous dire comment faire pour être pieux. Il ne nous donne pas une définition par des mots, par des concepts, par des choses abstraites. Allah, dans le Coran, il nous donne l'explication de la piété par des actes concrets. Qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il veut nous donner la définition de la piété? Il nous décrit les actes des pieux. Pour que nous, on puisse s'en inspirer. Pour que nous, on puisse... traduire cette piété, tout ce qu'on a dit, hein, par des actes concrets, pour être cette manifestation de la piété. Et donc, le Coran al-Karim a donné un ta'rif de la taqwa, mais un ta'rif amali. Je vous ai dit que l'important est que l'insan yatahalla bil Coran, yaish le Coran. Il faut qu'il soit une manifestation du Coran. Et donc, le Coran est là, il est fiya ou il est fik. هذا هو اذا الله تبارك وتعالى اعطانا واحد التعريف للتقوى اعطانا صفات المتقي مش نعرفوا حتى احنا كيفاش تحصلوا على هذه الصفه الله تبارك وتعالى يقول سارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت لمن اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعمة أجر العاملين احنا رجعنا العمل نعمة أجر العاملين donc Allah تبارك وتعالى dans le Coran il nous donne une définition de la piété une définition concrète par les actions
en nous décrivant les pieux, qui sont les pieux, pour que nous on puisse s'en inspirer. Et il nous dit, accourez vers un jardin aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Et là, Dieu, il va nous donner, donc nous, il faut qu'on soit pieux pour qu'on puisse connaître, comprendre le Coran. Donc il faut qu'on s'inquiète. Maintenant, il nous dit, préparez pour les pieux. Qui sont ces pieux? Qui sont-ils? Allah, il nous dit, ce sont ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Ceux qui retiennent leur colère. Et ceux qui pardonnent aux gens. Et certes, Dieu aime les bienfaiteurs. Et ce sont ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude, ils se rappellent leur Seigneur et ils demandent pardon. Et qui autre que Dieu peut pardonner? Et qui autre que Dieu peut pardonner? Et ils ne persévèrent pas dans, dans cette erreur qu'ils ont commise, hein, et ils savent, et à cela on a préparé des jardins, hein, le paradis. Donc maintenant nous, il faut qu'on s'intéresse à cette définition de la piété, cette définition concrète de la piété, pour qu'on puisse s'en inspirer et pour qu'on puisse aussi comprendre notre Coran, pour qu'on puisse comprendre notre livre. Et donc la première des choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala il évoque, c'est quoi? Allazina yunfiqoun, ceux qui dépensent. La première caractéristique des pieux. Et donc si nous on veut atteindre cette piété, la première chose qu'il faut atteindre, c'est quoi? C'est la dépense, dépenser. Dépenser dans le bien. Mais qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la gêne. Dans l'aisance comme dans la gêne. Alors ça, c'est très intéressant. Les exégètes du Coran al-Karim, ils ont expliqué qu'est-ce que ça veut dire dans l'aisance comme dans la gêne. Alors certains, ils ont dit dans l'aisance comme dans la gêne, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, quand tu as de l'argent ou alors quand tu es en difficulté. J'ai d'abord une question. Al-infaq. Al-ladhina yunfiqoun. Al-infaq. Il a dit al-infaq. Est-ce que j'ai compris le bel? À quoi vous pensez si je vous dis la dépense? Hein? Sadaqa, c'est vrai, sadaqa, l'aumône. Sadaqa, shnaya. C'est quoi l'infaq? Le flou, siak. L'infaq, si je vous dis la dépense, on pense à quoi nous? On pense à l'argent. Walakin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une compréhension bien plus élargie de la dépense. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit, si tu réconcilies deux personnes, c'est une aumône. Réconcilier deux personnes, c'est une aumône. Aider une personne à monter sur sa monture, c'est une aumône. Enlever quelque chose, un détritus de du passage, hein, quelque chose qui gêne la route, c'est une aumône. Sourire, faire un sourire, accueillir son frère avec un sourire, c'est une aumône. Un sourire, c'est une aumône. Aider quelqu'un, c'est une aumône. Réconcilier les gens, c'est une aumône. Hadawal infaq. C'est ça la dépense. Et donc, ça, c'est une dépense. Voilà la compréhension que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne de la dépense. La dépense, c'est pas que l'argent. La dépense. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la dépense, c'est vrai, c'est le don. C'est ce qu'on dit, c'est le don. Mais c'est donner de soi, donner de son temps, donner de sa compassion, donner de son aide, donner de son savoir. C'est ça la dépense. Donc, l'infaq, il faut le prendre dans sa... La dépense, il faut le prendre dans sa compréhension qui est globale. La dépense, c'est faire don de soi. Donc, la première des qualités des pieux, c'est qu'ils font d'eux, ils font don de leur personne. Par leur argent, par leur savoir, par leur patience, par leur compassion, etc. Donc parmi toutes les portes de la dépense. Et puis Allah, il dit, ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Dans l'aisance comme dans la difficulté. Alors, certains disent, voilà, certains des exégètes,
les exégètes disent que la dépense dans la dans l'aisance et dans la difficulté, c'est bah, tu dépenses quand tu as beaucoup d'argent, par exemple, ou quand tu as beaucoup de moyens, ou quand tu as beaucoup de temps, ou alors tu dépenses même quand bah, tu n'as pas beaucoup de moyens, même quand tu n'as pas beaucoup de temps, même quand tu n'as pas beaucoup de... Et puis, il y a l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, un grand exégète du Coran, un grand savant de la communauté. Il dit, non, ce n'est pas ça que ça veut dire, dans l'aisance comme dans la difficulté. Il dit, dans les, dépenser dans l'aisance, c'est dépenser pour quelqu'un que tu aimes, quelqu'un avec qui tu as un bon contact, une bonne relation. Dépenser pour ton ami, dépenser pour tes enfants, dépenser pour ta femme, dépenser pour tes parents. Voilà, il dit ça, c'est dépenser dans l'aisance. Il dit, mais dépenser dans la difficulté ou dans l'adversité, si on veut traduire, si on veut être correct aussi dans la traduction, c'est dépenser, mais pour celui avec qui tu n'as pas de contact. Ou même pire, dépenser pour celui qui, lui, te veut du mal. Eh bien, même pour lui, il faut que tu dépenses. Vous voyez un petit peu qu'est-ce que... Voilà la piété, voilà où est-ce que veut nous amener Dieu. Tu dépenses pour celui que tu aimes, et tu dépenses aussi, pas pour celui que tu n'aimes pas parce que le croyant, il aime tout le monde, mais pour celui qui ne t'aime pas, pour celui qui te veut du mal. Eh bien, toi, tu dépenses pour lui. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, tu donnes de ton savoir, tu donnes de ta compassion. Ah, ça, c'est quelque chose. Hein? Voilà la piété. Voilà où est-ce que veut nous emmener le Coran. Voilà où est-ce que veut nous emmener Sayyidina Rasulallah. À faire don de soi pour, avec celui que tu aimes comme avec celui que tu n'aimes pas forcément, ou bien celui, plutôt celui qui ne t'aime pas. Parce que le croyant, il aime tout le monde. Il essaye d'aimer tout le monde. Et c'est pour ça qu'après... Allah il dit parce que sinon quel est le lien entre le fait de dépenser et al-kadhm huwa al-habs al-imsak al-ghayd fi al-lugha al-arabia huwa al-ghadab al-shadid. Allah il dit, et ceux qui savent contenir leur colère. Ça serait quoi le rapport entre le fait de dire dépenser et contenir sa colère? Et bien pareil, les exégètes ils expliquent, ils disent parce que quand tu vas dépenser pour celui que tu aimes ou celui qui ne t'aime pas, peut-être il va te dire merci, peut-être il va te remercier, mais peut-être aussi il va être ingrat. C'est-à-dire que toi, tu vas l'aider, tu vas lui donner de l'argent, tu vas lui dépanner de l'argent, ou alors tu vas l'aider parce qu'il a un problème avec sa voiture, il a un problème pour... Et puis à la fin, il va dire quoi? Il va dire, lui là, il ne m'a jamais rien fait de bien. Lui là, il est comme ci, il est comme ça, il est... À ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que ça va te... Toi, comment ça? J'ai passé ma journée avec toi, je t'ai ramené là-bas, je t'ai aidé, j'ai porté pour toi. Et à la fin, tu parles sur moi, tu fais la calomnie. Qu'est-ce que tu dois faire à ce moment-là? Tu retiens ta colère. Mais ce n'est pas là que ça s'arrête. Ce n'est pas juste retenir ta colère. Allah, il dit quoi? Au-delà de ça. « Wal'afina ali » L'afou, dans la langue arabe, qu'est-ce que c'est l'afou? Alors, il y a une différence entre, par exemple, il y a un problème avec quelqu'un. Quelqu'un t'a dit à toi. Tu vas dire, Sidi, regarde, Allah est samah. Je ne vais pas aller à la mahkama, Allah est samah. Sir, Allah est aounak. Mais, ne te vois pas, ne te vois pas. Ne te vois pas, ne te vois pas. Attends, tu sais. Ce qui est ça, le mot samah. أسجل المسامحة سير الله يعاونك ولكن أعطيني اتساع العفو في اللغة العربية هو نعم المغفرة مع نسيان الذنب الخطأ كتنسى ربح ما وقع ولو العفو والعافين عن الناس الله يدي donc ceux qui dépensent les pieux ce sont ceux qui dépensent dans l'aisance dans l'adversité ou dans la difficulté, ceux qui pardonnent aux gens. Non, ceux qui retiennent leur colère. On vient de le dire. Ceux qui retiennent leur colère. La troisième des choses, il dit, ceux qui pardonnent. Alors, Allah, tabaraka wa ta'ala, parce que dans la langue arabe, il y a des subtilités. Allah, nous, c'est vrai, on traduit le verset par ceux qui pardonnent hein, aux gens. Mais le mot qui est utilisé ici en arabe, c'est al-afou. Al-afou, c'est pas juste le pardon. C'est le fait de pardonner et d'oublier le mal qu'on t'a fait. Ça, c'est pas la même chose.
juste de pardonner, ou bien de pardonner et d'oublier la faute qu'on t'a fait. Par exemple, toi, je sais pas, demain il y a quelqu'un qui t'est en voiture. Quelqu'un il te rentre dedans, il est en tort, il a grillé la priorité ou là il s'est pas arrêté au stop. Tu lui dis, écoute, c'est pas grave, t'as fait cette erreur, on va pas faire de constat, je vais me débrouiller, ta voiture elle a rien, moi je vais m'occuper de ma voiture. Allah yassam. Mais par contre, tu m'approches plus, je t'approche plus. Tu lui as pardonné, hein, tu vas pas chercher à te venger, ou bien tu vas pas chercher ne serait-ce que ton droit, tu lui pardonnes. Mais par contre, tu dis, écoute, maintenant c'est la dernière fois qu'on se parle, c'est la dernière fois qu'on se voit. Ça c'est le pardon. C'est pas l'afou. Allah il dit l'afou. L'afou c'est autre chose que ça. C'est non seulement tu lui pardonnes ce qu'il t'a fait, mais en plus dans ton cœur tu as oublié cette erreur. Tu as oublié cet accident. Tu as oublié cet accident. Comme si rien ne s'était passé. C'est fort ou c'est pas fort? C'est quelque chose. C'est ça être pieux. C'est ça vivre la piété. Dépenser. De faire don de soi. Faire don de soi. Auprès, pour tout le monde. Ceux qu'on aime, ceux qui ne nous aiment pas. Ceux qui nous aiment, ceux qui ne nous aiment pas. Maintenir sa colère. La piété, c'est faire don de soi. C'est la maîtrise de soi également. Hein. Maintenir sa colère. La maîtrise de soi. Et c'est pardonner les erreurs. Oublier les erreurs. Oublier les fautes. Et puis, ensuite, Allah dit « Allahu yuhibbul muhsinin »« Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. » Donc après, Dieu il dit, toujours dans cette description des pieux, pour que nous puissions être cette manifestation de la piété, il dit « Ceux qui, lorsqu'ils... Ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Ceux qui commettent un péché. Ceux qui font des erreurs. Là, Allah, il nous parle de ces pieux. Il nous dit que, même si tu es pieux, même si tu es quelqu'un de pieux, tu peux faire des erreurs. Tu peux commettre des erreurs. Ça peut arriver. C'est un chemin qui, dans lequel parfois il peut arriver de... Eh bien, il te dit, la piété, c'est pas ne pas faire d'erreur. Non. La piété, c'est quand tu fais une erreur, tu te rappelles de ton Seigneur. Tu te rappelles de quoi? Tu te rappelles de sa miséricorde. Tu te rappelles de sa présence et tu te rappelles de sa miséricorde. Tu te rappelles de son pardon. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les pieux quand ils font une erreur? Ils se rappellent leur Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent pardon à Dieu. Ils demandent pardon à Dieu. Et il dit, et qui autre que Dieu peut te pardonner tes péchés? La miséricorde de Dieu, elle englobe toute chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah, il a écrit dans un livre qui se trouve auprès de lui, « Ma miséricorde a dépassé ma colère. » Ma miséricorde a dépassé ma colère. Ma miséricorde a devancé ma colère. Les pieux, c'est ceux qui connaissent leur Seigneur et qui connaissent la miséricorde qui est auprès de leur Seigneur. Et donc, quand il y a une erreur de parcours, ils ne baissent pas les bras, mais ils reviennent vers Dieu. Ils se rappellent de la présence de Dieu et ils se rappellent de la miséricorde de Dieu. Et ce rappel-là, il leur permet d'avoir espoir. Et à ce moment-là, une fois qu'ils ont repris espoir et qu'ils ont demandé pardon, qu'est-ce que Dieu il leur réserve, hein? Pour cela, nous avons préparé des jardins aussi vastes que les cieux et la terre, et ils y seront éternellement. Ah. Et on va leur pardonner en plus leurs péchés. Voyez comment vivre la piété, faire don de soi. La piété, c'est faire don de soi. La piété, c'est la maîtrise de soi. La piété, c'est le pardon. C'est savoir pardonner et savoir demander pardon. Quatre choses. Don de soi, maîtrise de soi, pardonner
et savoir demander pardon. C'est comme ça qu'on va vivre ces versets. C'est comme ça qu'on va vivre cette piété-là. Et avec cette piété-là, on peut arriver à la compréhension des secrets du Coran. Tout le monde peut lire le Coran et puis faire une traduction, faire une explication, faire... Mais la profondeur du Coran, les secrets qu'il y a dans ce livre-là, ils ne demandent pas une simple lecture. Ça ne demande pas de connaître simplement les mots. Ça ne demande pas de connaître simplement les subtilités de la langue. Ça ne demande pas comprendre, atteindre la profondeur du message du Coran. Ça ne demande pas d'avoir simplement une bonne tête. Mais ça demande d'avoir un bon cœur. At-taqwa hahuna, le prophète s'en dit, la piété, elle se trouve ici, dans son cœur. Dans son cœur. Alors comment avoir un bon cœur? Après c'est tout. On répète, quatre choses pour avoir un bon cœur. La maîtrise de soi. Non, première chose j'ai dit, le don de soi, faire don de soi. La maîtrise de soi. Pardonner et savoir demander pardon. Demande pardon? Oublier, c'est ça, dans le pardon, exactement, hein, l'afou, c'est ça. Hein, c'est pas simplement pardonner, c'est dans le pardon dans le sens de pardonner ce qu'on nous a fait, mais oublier le mal qu'on nous a fait. Hein, c'est dans cette grande compréhension du pardon. L'afou. Barakallahu fik, Allah yahfadak, wa yatabarakallahu alik. On demande qu'Allah tabaraka ta'ala, il embellisse nos cœurs par cette piété. Qu'Allah tabaraka ta'ala nous permette de faire don de nous-mêmes. Et qu'il nous donne cette maîtrise et qu'il nous permette de pardonner et d'oublier le mal qu'on nous a fait et qu'il nous permette aussi de nous rappeler de sa présence, de sa clémence, de sa miséricorde et qu'il nous mette parmi les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alna min muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alna min muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala yahqiq matalib al-jami' wa Allah yahfid al-jami' wa yubarik fi al-jami'. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi.